Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match entre le Stade Rochelais et l'ASM Clermont Auvergne. On va jouer avec La Rochelle qui est notée d'un point de moins, un petit point de moins. On voit qu'on a Danti, mais non, hein, ils vont être au repos, je pense. Alors, même s'il n'était pas titulaire, je suis pas sûr que Danti ait le droit de jouer. Aldrit non plus, hein, pas sûr, pas sûr. Est-ce qu'il faut qu'on sorte certains joueurs pour être crédible, donc, et même Gourdon, c'est pas lui qui a arrêté. Alors, Aldrit, on va mettre Boudéan, pourquoi pas. Ensuite, bon, ça va être dur parce que je vois, mais comme ça, Boudéan là. Est-ce qu'on a un numéro 8? Ah, bah oui, Victor Vito, bah oui. Et il a pas pris sa... Non, c'est Jérôme Quay, donc il a pris sa retraite. Victor Vito, il a pas pris sa retraite. Retraite, pardon. Botia, centre et flanqueur, c'est marrant. Oui, donc je disais, il faut sortir normalement ceux qui vont y être. Donc, ben, Danti, on va mettre Levani. Botia, moi ça me va très bien. Retière, il est blessé, je crois, donc c'est logique qu'il soit pas là. Favre, Leeds, Rulle, Dulin. Oui, ça me semble cohérent. Ça me semble être une équipe qui tient la route. Ah, maintenant, Antonio non plus, il devrait pas y être, vu qu'il joue avec l'équipe de France. Alors là, vous ne devez pas faire gauche à pilier, gaffe à pilier gauche, pilier droit, mais on va essayer de mettre. Wardy, ça me va très bien. Allez, on y va. Je veux voir qu'on se fasse pas avoir. Non, c'est bon, c'est amateur. C'est légende, pas amateur. Ben, on y va. On y va. Et vraiment, c'est un match. Ah ben, je regarde pas. Ah, mais j'ai pas bougé les trucs. Bon, j'ai pas trop compris. C'est pas grave. Ce stade nous convient. On y va. Pour le match, petite question dans le tournoi des destination. Combien de matchs faut-il gagner pour réaliser un grand chelem? Évidemment 5, vu qu'il y a 5 adversaires, ben forcément. Voilà. Et puis on sera, et n'oubliez pas, vous pouvez toujours sélectionner le dernier. D'accord. Clairement, La Rochelle, clairement. Clairement qui a perdu. Ah mince, oui, par contre, clairement, eux, ils ont leurs internationaux avec Damien Penaud qui va peut-être nous faire des misères. Sinon, oui, donc Clermont qui a perdu son match en retard le week-end dernier, qui était important à mon sens. Face à Brive, il fallait qu'ils gagnent. Ils n'ont pas gagné. Et ils se retrouvent clairement en danger, en gros danger hein, pour la course au top 6. Et un peu dans l'obligation d'aller chercher un exploit. D'aller chercher un exploit à La Rochelle. Ça va pas être facile, voilà, ça va pas être facile parce que La Rochelle, ben, ils sont pas si à l'aise que ça. Hein. Leur top 6 est clairement pas du tout assuré. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont leur top 6 un peu assuré. Il y a peut-être l'UBB qui marche un peu sur tout le monde. Oh, le petit ballon relâché. Leeds, on avait récupéré la balle, mais on n'a pas pu en profiter. Donc on reviendra à cet en avant de Damien Penaud. il a fait tomber un peu à l'horizontale, mais bon, écoutez, tant mieux, ça a sifflé en avant, ça nous donne une bonne mêlée et potentiellement un bon lancement de jeu. Introduction Carvalho, on va essayer de tirer Carvalho. Carvalho, allez, j'ai essayé d'aller fixer au mieux. Allez, Boudéan, c'est pas mal ça. Levani Botia. Ah non. Dur, dur là. Dans les racks, on sent que les Clermontois vont être solides. Allez, on y est en défense. Pour l'instant, les Clermontois, voilà. Ne se mettent pas. Voilà. Plus dangereux que ça, mais par contre, il nous mange dans les rucks, c'est compliqué. On a fait un contre. Allez, peut-être quelque chose à faire là. Oui, Liebenberg dans l'axe du terrain, il est un peu esselé. On retrouve Bulgari, il faut faire ta passe. Dani Brizo.
Non, Liebenberg, il relève la balle plus vite que son ombre, mais il fait rien d'autre. Leeds, la feinte de passe, le tchic-tchac. Allez. Aïe, ouais, les rucks. Alors, je sais pas si c'est Clermont qui est supra fort ou La Rochelle. Il manque de solidité de ce côté-là parce qu'il y a un point d'écart en notation. Alors, c'est vrai que j'ai sorti quelques internationaux français, mais pas non plus des masses et pas de quoi changer complètement cette physionomie-là. Et honnêtement, ben, pour l'instant, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover, on s'en récupère aussi. Bogaritz, allez, Raymond Rullet, on va aller marquer le premier essai du match, on va essayer d'aller proche, un peu plus proche du centre des poteaux. Parce que contrairement voilà, à rugby challenge, c'est pas important. De toute façon, on sait qu'on va la réussir, la transformation. Là, honnêtement, ça joue de revenir au centre pour faciliter le buteur. Popelin, on transforme. 7-0. On gère. Allez. Oh non, Popelin qui passe au travers. Ah mince, c'était, j'aurais dû aller chercher la touche. On était à la 40e, on était dans notre camp. Ah bon. On va pas aller faire du ping-pong rugby en partant depuis nos 22. Hop. Allez, Vanni Baudia qui envoie de touche. Voilà. Bon, 7-0 à la mi-temps, on est plutôt satisfait. Je trouve qu'on domine le match. C'est-à-dire que clairement, on n'arrive pas pour l'instant à être plus dangereux que ça. Ouais, le bon plaquage. Donc clairement, on n'arrive pas à être dangereux. Ils arrivent. Allez, c'est une bonne récupération de balle, ça. Allez, Wardy. Allez. Par contre, voilà, ils sont pas dangereux. Par contre, dans les rucks, ils sont très solides. Ils nous empêchent d'enchaîner les temps de jeu. Et voilà. Je pense qu'il n'y aura jamais les commentateurs français. On a les commentateurs anglais. Enfin, j'ai même pas regardé parce que, bon, de toute façon, ça m'a jamais. Mais ils ont raison. Hein. Si ça peut garder un peu d'argent pour plutôt du travail sur le jeu plutôt que. Que sur des commentaires qui servent à rien. Hein. Aïe 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 aïe, il est passé. Aïe aïe, on va aller le plaquer, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ah, dur là, Aka qui joue bien le coup. On est pris là. Ah, je vous disais, ils sont pas trop dangereux, mais là, Aka, bah, il est face à des gros, et après, sauf notre ailier. Ça, normalement, ça sera réglé. Dans un futur patch, normalement, c'est deux choses qui devraient être vraiment réglées. Je vous annonce ça. C'est, sans être officiel, c'est. Voilà, j'ai la chance de deux fois pouvoir parler avec les développeurs du jeu. Et c'est clairement deux choses sur lesquelles ils travaillent, c'est la course défensive. C'est-à-dire que normalement, il y aura moins cette course robotisée. On pourra mieux déplacer nos défenseurs. Et donc là, j'aurais peut-être pas concédé l'essai. Et il y aura surtout la profondeur, ils vont se débrouiller pour que la profondeur dans notre ligne d'attaque soit plus utilisable, un peu à la manière de sur les touches ou les mêlées, où là la profondeur nous convient. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est quand même ça peut être un changement énorme. Ah, j'ai voulu y aller faire du défi physique. Allez, la longue sautée de Rulle pour Leeds qui va aller marquer son deuxième essai. Et voilà, j'ai mis d'abord, c'est crédible, un premier point de fixation avec un costaud. Alors, soit souvent c'est l'ailier de l'aile opposée qui est bien costaud. Voilà, ça va être difficile. Non, pas rêver. Complètement raté là la transfo. Donc attention. Allez, Brice Dulin, la chandelle. Et c'est Danny Prizo qui vient la récupérer. Pourquoi pas? Et par contre, voilà, ça, au final, il faut avoir des réflexes de Jedi quand on affronte Clermont avec La Rochelle. Parce qu'en fait, bah, dans les rucks, vous l'avez compris, c'est du timing. Voilà, après du timing, du réflexe.
Ouais, c'est timing et réflexe. Timing sur l'entrée des joueurs et réflexe, bah, appuyer sur A pour éjecter le ballon. Évidemment, c'est vrai que j'ai pas fait, j'avais pas mis de profondeur encore. Bon, Gary, tu vas. Ouais. Peut-être qu'il faut. Non. Botia. J'aimerais bien vous proposer une petite combi avant la fin du match. Ça ne ressemble à rien, mais c'est pas grave. Will Skelton, Will Skelton, il retrouve Leeds. Allez, ouais, je crois qu'on va se satisfaire de ça. En plus, on a un blessé. On va se satisfaire de ce petit match. Le match a été court. Normalement, je vous reprendrai les matchs plus longs. C'est juste que quand je fais les matchs aussitôt, je vous fais ces matchs genre, vendredi matin avant d'aller au boulot. Les 8h40 pour tout vous dire. Donc, j'aille au boulot. Donc voilà, c'était particulier cette semaine, j'ai manqué de temps et donc j'ai pas pu faire les vidéos les jours avant. Donc quand je fais le matin même avant d'aller au boulot, ben, vous comprenez bien que malheureusement je peux pas les faire à très long. Sauf si je me levais à 6h du mat, mais ce n'est pas le cas. Voilà, voilà. Victoire 12 à 7 de La Rochelle. Ouais, je vois plutôt une victoire rochelaise. Donc voilà, crédible. Quel était le record du nombre de points inscrits en première chip? Charlie Hodgson, bah, oui, carrière très longue en première chip. Wilkinson, il a été longtemps blessé, il a joué en France. Owen Farrell, il n'a pas encore fini sa carrière. Hodgson, il a fait toute sa carrière en première chip, donc logiquement. Moi, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, désolé pour l'écourtesse de cette vidéo, mais normalement, on va essayer de prendre du temps plus avant pour pouvoir faire des vidéos un peu plus longues. Merci à vous dans tous les cas, passez un bon week-end et à très bientôt. Bye bye.